recruté par une organisation clandestine du nom de Doris. Formé aux techniques de défense spécialisées contre la sinistre Société des Arts. Pour protéger la clochette secrète, notre formule lactée, la vie et éventuellement la civilisation elle-même. Quand le mal sévit dans le monde, il n'y a qu'une seule famille capable de prendre le taureau par les cornes. Les Bells sont toujours prêts à servir et à protéger. Les Bells. Ma petite tête chercheuse. Que dirais-tu de remporter l'exposcience pour la 6e fois de suite? Ouais. Et maintenant, voici le rare visage concentré de Frangine. Laisse-moi tranquille. Tu réalises que tu parles à une fusée. Elle est délicate et nécessite des soins, alors va-t'en. C'est bon, j'ai compris. Ça va comme ça? Pardon. Ah! Mais quel égoïste! J'essayais juste de détendre l'atmosphère. Bonjour les Bells, notre satellite géosonar ultra secret a capté d'étranges échos à l'intérieur d'un volcan en activité. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie qu'il y a quelque chose de vache en bas. Il ne s'agit pas d'une de nos bases, ce qui est très suspect. Vous savez que c'est une vache à partir d'échos? Oui, une chambre naturelle émet une sorte de ping aigu. Ping? Ping? Mais si elle est de source bovine, alors elle émet un plus grave. Et dans son cas, c'était... C'est bon, on a compris. À le voir, ce n'est peut-être rien, mais... Il doit y avoir quelque chose, ça fait... En effet, terminé. On peut sauver le monde en rigolant. Si on se concentre pas, on échouera. On parle toujours de la mission? On parle de tout. Jajan! Reconnaissance, rapport sur les échos, et on sort. Activation du mode discrétion. Ce décodeur de géosonar a fonctionné. Le parfait plan chaudrome. Ça ne peut être que l'œuvre du Dr. X. Comment le sais-tu? Je sais lire. Taisez-vous tous les deux. On ne sait toujours pas ce que c'est cet endroit. Oh, la vache! Tu vas te concentrer, oui? Il s'est excusé pour la fusée. On a un projet scientifique bien plus important sur les bras. Donc, en résumé, c'est de l'extorsion pure et simple. J'ai un missile en direction de la ville. Payez ou je le lance. C'est aussi simple que ça. Vous avez 24 heures. On sait désormais d'où venaient les coups. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que ils vont financer mon prochain missile encore plus gros. Je suppose que je ne te paie pas pour tes aptitudes à la conversation. Ce qui me rappelle... que je dois appeler ma mère ou je n'entendrai jamais la fin. On devrait le signaler. Si le Dr. X voit des renforts arriver, il lance. Frangine, tu peux le couper? Tu veux dire le pirater? Je veux dire l'amener à s'auto-détruire. Oh, bien, laisse-moi regarder.
codé en dur. Ça prendra un certain temps. Touche pas à ça. Incroyable. Ok, ok, c'était un accident. Il faut agir. Je vois que vous avez envoyé les Bells. Vous disposez maintenant de 12 heures. Non, d'ailleurs, 6 heures. Super, tu as bien choisi ton moment pour faire joujou. Très bien, tu as gagné. Je vais me concentrer à partir de maintenant. Quand on rentrerait à la maison, je m'enfermerai dans ma chambre. Et je ne m'amuserai plus à construire des trucs bizarres. À partir de disques électroniques, hein? Quel est le problème? Tu penses pouvoir reconstruire ton machin infrarouge? Et l'attacher au missile et... Direction le soleil! Il va manquer de carburant, mais je peux régler le système pour qu'il s'autodétruise. Les enfants, un peu d'aide? Youhou! Couvrez-nous! On a une idée! Il a combien de gardes? Hein? Hein? Ok, il suffit d'attacher ça au sommet de cet énorme missile. Oh, on va s'éclater. Je suppose qu'on va le retenir, encore une fois. Pas de tergiversation. Les enfants, on ne peut pas l'atteindre. Fais gaffe derrière toi. Le bon vieux truc du talkie-walkie. J'ai appris auprès des meilleurs, mais ça ne marchera pas deux fois. Il faut trouver un moyen de monter sur la fusée. Tu fais quoi? Je me concentre. Concentration maximale. Je ne fais pas cette tête. Oui. Bien joué les enfants. Mais ils vont finir par me manquer quand on tourne en rond. L'horloge tourne, mais... Je félicite la vainqueur. La prochaine concurrente est Frangine Bell. Un système de guidage infrarouge. Quoi? Comment? Ton ancien détecteur de chaleur fonctionnait encore. Ça m'a pris un temps pour le réparer. Mais tu sais ce qui a aidé? Laisse-moi deviner. Oh. Et la gagnante est... Frangine Bell.